enseignants et enseignantes de première et deuxième primaire. Découvrons ensemble le guide d'activité en éducation à la citoyenneté mondiale, spécialement conçu pour les premières et deuxièmes primaires. Pour former les jeunes citoyens et citoyennes solidaires, critiques et émancipés. Dans ce guide, vous trouverez une vingtaine de fiches-outils abordant différents thèmes que vous pourrez intégrer aux séquences d'apprentissage que vous envisagez de réaliser avec vos élèves. Chaque fiche renseigne les thèmes, les compétences, savoir ou savoir-faire qui sont travaillés durant l'activité. On vous en présente quelques-unes ? Pour aborder la biodiversité, le développement durable, la consommation et l'environnement, le jeu Mémo Zéro Déchet permet à vos élèves de prendre conscience des déchets domestiques et de découvrir les gestes essentiels à leur réduction. Pour aborder la démocratie, la citoyenneté et les droits humains, l'album Le Petit Gilly, à la manière d'une fable, interroge la question du pouvoir et de la liberté. La lecture de l'album pourrait être suivie d'un atelier philo avec vos élèves. Alors que pour la diversité culturelle, l'ouverture sur le monde et l'identité, la série de capsules vidéo « Paroles d'enfants d'ici et d'ailleurs » permet de réaliser un atelier philo autour des notions de respect, diversité et de vivre ensemble. Pour cela, vous pouvez profiter du dossier pédagogique accompagnant la série de capsules. Et enfin, quant au genre, au racisme, aux stéréotypes et aux préjugés, le kit pédagogique « Mixte tes idées » entame la déconstruction des stéréotypes à caractère raciste et genré à partir de différents albums jeunesse et de leurs fiches pédagogiques. Mais je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous sur le site annoncerlacouleur.be pour télécharger le guide complet ou commander votre exemplaire gratuit et découvrir l'ensemble de ces ressources.